toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 6 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, l'affirmation positive de cette journée, mon corps mérite d'être aimé et respecté. Mon corps mérite d'être aimé et respecté. Mon corps mérite d'être aimé et respecté. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé pardon. Je pardonne et je me libère. C'est pas facile, n'est-ce pas? Je le conçois. Mais le pardon, c'est une libération. C'est faire un lâcher-prise. C'est l'acceptation de. C'est un deuil. On ne vous demande pas de pardonner pour l'autre, on vous demande de pardonner pour vous-même, pour pouvoir avancer. Le pardon ne veut pas dire « j'ai oublié ». Ça ne veut pas dire cela. Le pardon veut dire vous pardonner à la personne qui vous a blessé pour pouvoir, vous, continuer à avancer dans une sérénité et une plénitude, de ne pas avoir cette rancœur. Parce que la rancœur fait que vous n'avancez pas dans de bonnes conditions. Si vous avez de la colère, de la rancœur, du mépris. Donc c'est l'acceptation de quelque chose, c'est faire un deuil pour vous sentir mieux et pouvoir avancer dans une paix, dans une harmonie, dans une sérénité. Encore une fois, le pardon ne veut pas dire oublier, on ne vous demande pas d'oublier. On vous demande juste de pardonner et dire que, vous savez, la personne qui vous a fait du mal, elle est en souffrance intérieure. Et ça ne vous appartient pas, cette souffrance intérieure. Elle aura des comptes à rendre dans l'au-delà, le jour où elle ne sera plus ici, sur terre. Pour certains d'entre vous, y a-t-il dans votre vie encore, certaines émotions négatives, comme, la colère, comme la rancœur, le ressentiment, la haine? Ce sont des émotions qui vous bloquent. Et je dirais même plus, qui vous empoisonnent la vie. Ces émotions qui vous maintiennent dans un état de, de tristesse et de souffrance, agissent véritablement comme un poison. Comme un poison qui se diffuse, mais tout doucement. Qui se diffuse lentement. Et elles émettent des vibrations très basses, n'est-ce pas? Qui a plus ou moins à long terme, cela peut déclencher des maladies et ne vous permettront jamais d'obtenir ce que vous désirez. N'oubliez pas que votre santé physique dépend de votre santé mentale. Alors, si vous ne le savez pas, le pardon représente un acte très puissant. C'est un acte profond, mais c'est un acte libérateur pour celui qui le pratique. En pardonnant, vous vous libérez de vos blocages. Vous vous libérez de vos croyances intimes, limitantes et toxiques qui sont à l'origine de vos échecs. Encore une fois, je vais me répéter, pardonner, ce n'est pas oublier ni effacer. Le pardon n'efface
ni la responsabilité de l'auteur de l'acte, ni la trace de la blessure de la victime. Pardonner ne vous fait pas obligation d'éprouver des sentiments de sympathie pour l'offenseur, mais permet surtout de vous libérer, vous, de vous distancier de vos rancœurs, de vos désirs de vengeance, de vous apaiser vous-même, envoyer de l'amour à cette personne qui vous a fait du mal. De plus, en pardonnant, eh bien, vous n'êtes plus une victime fragile. Vous n'êtes plus une victime faible. En pardonnant, vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous sortez la tête de l'eau. Vous êtes une personne forte et pleine de ressources. C'est comme ça que cela va vous permettre de faire le deuil de la perte, le deuil de ce qui s'est passé. Et puis, évidemment, d'accepter que la réalité est telle qu'elle est. Et ensuite, eh bien, et ensuite, de pardonner aux autres. Et également, de se pardonner à soi-même. De se pardonner à soi-même de n'avoir pas fait les choses autrement à ce moment-là. Vous avez fait ce qu'il fallait, ce que vous avez pu à ce moment-là. Pardonnez-vous. Gardez seulement en mémoire, n'est-ce pas, eh bien, la leçon que vous avez apprise, c'est-à-dire ce qui est en est ressorti de positif dans cette problématique que vous avez vécue. Alors aujourd'hui, décidez de pardonner, décidez de vous libérer. Waouh, quel magnifique message, n'est-ce pas? C'est une belle leçon, le pardon. Je sais que ce n'est pas facile, mais lorsqu'on y arrive, croyez-moi, je parle par connaissance de cause, j'ai pardonné et quel bien-être intérieur que j'ai maintenant. Mais je n'ai pas oublié, n'est-ce pas? Parce qu'on n'oublie pas. Bon, allez. Je termine avec ne plus se mettre en colère. Alors, aujourd'hui, je regarde ma colère en face pour essayer de mieux la comprendre. Qu'est-ce qui nous met en colère dans cette situation précise? À quoi réagissons-nous si violemment? Qu'est-ce qui est légitime? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, ce type de réflexion aide, eh bien, à faire baisser la pression émotionnelle et à mieux cerner nos propres réactions. Eh bien, voilà pour le petit message « Ne plus se mettre en colère ». Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.